Et l'église ou les églises des hommes. And the church for men. L'église de Dieu, qu'est-ce que c'est? What is the church of God? L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que cette église est céleste. The author of Hebrews says that this church is celestial. Cet auteur, cet écrivain dit que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, c'est-à-dire le royaume de Dieu. We have come up to Mount Zion, meaning the kingdom of God. Donc, on ne peut pas parler de l'église sans parler du royaume de Dieu. Therefore, we cannot speak of the church without the kingdom of God. Et quand on regarde les églises d'aujourd'hui, and when we look at the churches today, on ne voit pas le royaume de Dieu. We do not see the kingdom of God. Non. J'ai vu l'image d'un voleur congolais qui se dit prophète. I saw the image of a Congolese thief who is so-called prophet. Qui est venu ici à Toronto. Who came here to Toronto. Et j'ai vu des chrétiens surexcités, ces soi-disant chrétiens surexcités. Ils étaient tous envoûtés. Ils ont reçu ce monsieur comme un prince, comme un dieu. Qu'il soit africain, qu'il soit canadien, qu'il soit, je ne sais pas. Whether he may be African, Canadian, or whatsoever. Quand je regarde ces églises, je ne vois pas l'église de Dieu. When I look at those churches, I do not see the church of God. Qu'ils soient des îles, qu'ils soient canadiens, je ne sais pas, jamaïcains ou. Whether they may be pas. From the islands or that they may be Jamaican, I do not see it. Je vois les églises des hommes. I see the churches of men. Avec des rois. With kings. Avec des princes. Princes. Avec des premières dames. First ladies. Et des gens me disaient tout à l'heure, ce monsieur qui est venu me prêcher ici à Toronto, des chrétiens me mettaient de l'argent dans ses poches. Christians were putting money in his pockets. Oh Dieu. Sauve. God save us. On a pris des chrétiens que le Seigneur est venu sauver. We have taken Christians which the Lord has come to save. Et on les a enfermés dans toutes sortes de dénominations, and fédérations, organisations, organizations, denominations, and federations. Étrangers à la parole de Dieu. Strangers to the word of God. Je dis bien que ce soit des églises africaines ou canadiennes ou américaines. I see clearly whether they may be African, American churches. Près de 95% de ces églises ne sont pas de Dieu. 95% of those churches are not from God. Non. Chanter pour que l'onction vienne, c'est de la sorcellerie. Singing for the anointing to come is witchcraft. Et Dieu pleure. And God is crying. Alléluia. En fait, ces églises-là, in fact, those churches, blanches ou noires, white or black, sont simplement des entreprises. Are simply businesses. Vous avez des fonctionnaires. You have the functionaries. Ils ont des salaires. They have their salary. Ouais. C'est pas l'église de Dieu. It's not the church of God. Dedans, vous avez des gens qui sont honnêtes. Oui. Inside, you see people who are honest. Ils cherchent Dieu, oui. They seek God, truly. Mais où est le royaume? But where is the kingdom? Vous voulez qu'on discute? You want us to discuss? Vous voulez qu'on échange? Do you want us to exchange? Alléluia. Quand Jésus regarde nos églises, when Jesus looks at our churches, il se dit, mais ce n'est pas l'église que j'ai bâtie. He says that is not the church I built up. Non. No. Lisons encore Hébreux 12. Let us read again Hebrews 12. Je vais le lire. I will read it. Rappelez-vous bien que ce livre était destiné aux Juifs. Remember clearly that this book was destined to the Jews. Aux Hébreux. To the Hebrews. Et en tant que Juif, and as a Jew,
le peuple à qui ce livre était destiné, the people to whom this book was destined, connaissait la première assemblée de Dieu. Knew the first assembly of God. C'est-à-dire l'assemblée dirigée par Moïse. Meaning the assembly guided by Moses. C'est ça la première église. That is the first church. Et quand il va leur écrire cette lettre, he will write unto them this letter. En fait, il leur a écrit cette lettre. When he wrote this letter, il leur a écrit cette lettre. When he wrote unto them this letter, tu dis when? C'est quand, non? C'est ça? When? On enlève quand? Il leur a écrit cette lettre. He wrote this letter parce qu'ils confondaient, because they confused, les Hébreux, the Hebrews, la loi et la grâce, the law and the grace, parce qu'ils avaient fait un mélange de la loi et de la grâce, qu'ils avaient donné une église que Dieu ne connaissait pas. There was a mixture of the law and the grace, and it made a church which God did not know of. Vous voulez être enseigné? Do you want to be taught? Qui aime la parole de Dieu? Who loves the word of God? Nous aimons beaucoup l'enseignement. We love the teaching. Ces Hébreux, these Hebrews, avaient confessé Jésus. Confessed Jesus. Mais il leur manquait l'enseignement. But they lacked teaching. Ils confondaient la grâce. Ils n'avaient pas compris la grâce. The grace. They did not understand the grace. Ils n'avaient pas compris l'œuvre de la croix. They did not understand the work of the cross. Alors l'auteur leur dit. So the author told them. Nous, l'Église véritable. Us, the true church. Nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sinaï. We have not come close to the mountain of Sinai. Ça, c'est la première église. And that is the first church. C'est l'assemblée de Dieu dans le désert, l'assemblée d'Israël dans le désert. The assembly of God of Israel in the desert. Qu'est-ce qui s'est passé sur le mont Sinaï? What happened on Mount Sinai? Vous vous rappelez, non? Do you remember? Quand Dieu est descendu pour parler à son peuple, vous vous rappelez? When God came down to speak to his people. Le peuple a dit quoi? What did the people say? Toi, Moïse, va parler à Dieu. Moses, go speak to God. Mais que Dieu ne nous parle pas. Do not let God speak to us. Qui est d'accord avec ça? Who is agreed? Qui est d'accord que c'est écrit? Who agrees it is written? C'est écrit. It is written. Voilà la première église. There is a first church. C'est le cléricalisme. That is the. Il y avait une séparation entre le clergé et le laïc et le peuple. So there was a separation with the people and the clergy. Voilà la première église. That was the first church. Toi, Moïse. You, Moses, sois notre clergé. Be our clergy. Sois notre médiateur. Be our mediator. Mais nous le peuple, but us, the people, nous l'église, us, the church, nous ne voulons pas aller vers Dieu nous-mêmes. We do not want to go towards God. Toi, Moïse, you, Moses, sois celui que nous allons payer. Be the one whom we are going to pay. Tu vas avoir un salaire. You will have a salary. Tu vas être un fonctionnaire. You will be a functionary. Et tu vas parler à Dieu pour nous. And you will speak to God for us. Voilà la première église. That is the first church. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons partout. And that is what we see. Vous avez établi des pasteurs. You will establish pastors. Des prêtres. Priests. Ils parlent à Dieu pour vous. They speak to God for you. Ils prient Dieu pour vous. They pray God for you. Ils lisent la Bible pour vous. They read the Bible for you. Et vous faites quoi? And what do you do? Seigneur, sauve-nous. Lord, save us. Dans la première église, in the first church, le peuple avait peur de Dieu. The people were afraid of God. Vous avez vu? Did you see? Dans la première église, in the first church, ils avaient même créé des chorales. Il y avait du gospel, chorales, groupes de. C'était des. They even created choirs, gospel. Vous rappelez, non? Do you remember? Dans la première église, in the first church, ils avaient même des veaux d'or. There were even works of men. Dans la première église, in the first church, le peuple avait mis la pression sur Aaron. The people put the pressure on Aaron. Pour qu'il leur fabrique un dieu. So that they may fabricate a god. Et bien, c'est ce que nous voyons. And that's what we see. Les chrétiens mettent la pression sur les Christians pasteurs. Christians put pressure on the pastors. Pour qu'ils leur donnent des choses qui leur plaisent. Which please them. Alléluia. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Do you want me to speak again? Ça vous intéresse tout ça? Is this interesting to you?
Nous sommes pas là pour distribuer les prophéties. We are not here to distribute prophecies. Nous voulons partager la parole. We want to share the word. Vous avez vu dans la première église? You see in the first church. Le peuple n'était pas sur la montagne. The people, they were not on the mountain. Il y avait que Moïse. There was only Moses. Le peuple était où? Where was the people? Au pied de la montagne. At the feet of the mountain. Loin de la présence de Dieu. Far from the word, the presence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. And that's what happens today. La semaine, beaucoup de chrétiens vont pécher, ils vont se masturber, ils vont convoiter, ils vont mentir. They will lie. Mais le dimanche, and then Sunday, ouais, ils viennent pour chanter. They come to sing. Ils viennent pour donner les offrandes. They come to give their offerings. De donner leur dîme. They give their tithes. Chacun mène sa vie comme il entend. Everyone lives their life as they want. Et ces églises que nous avons actuellement, c'est l'église, ces églises-là ressemblent à l'assemblée de Dieu dans le désert à l'époque de Moïse. And this church looks like the church of God in the desert in the time of Moses. Tu poses la question aux chrétiens. You ask the questions to Christians. La dernière fois que vous avez médité la parole, ça remonte à quand? When was the last time you meditated on the word of God? Ils vont dire, ça fait 4 jours, j'ai They'll pas say, lu. It's been 4 days I did not read. Alléluia. Frère, tu joues de la guitare? Brother, you play the guitar? Est-ce que ça t'arrive de ne pas lire la Bible pendant 2 ou 3 jours? Does it happen to you to not read the Bible for 2 or 3 days? Tous les jours? I read every day. I read every day. Mais tout seul? But alone. Tu peux faire 2 jours sans lire? You can do 2 days without reading. C'est vrai, non? That's C'est ce que Dieu me dit. That's what God is telling me. Alors pourquoi tu veux jouer la guitare? So why do you come to play the guitar? On acclame le Seigneur. Let us give a hand clap to the Lord. Pourquoi on l'acclame? Why are we giving a hand clap? Parce que Dieu veut nous libérer. Because God wants to set us free. Vous voulez vraiment que je parle de la part du Seigneur? Do you truly want me to speak on behalf of the Lord? Alléluia. Qui réalise que nos églises sont malades? Who realizes that our churches are sick? Le peuple, à l'époque de Moïse, entendait le son des trompettes et il avait peur de Dieu. The people in Moses' time heard trumpets, but they were afraid of God. Les trompettes représentent des prophètes. Trumpets. Représentent des prophètes. Coming from prophets. Ça. That non. Is it. Les trompettes représentent les prophètes. The trumpets represent the prophets. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand que Dieu abîme mon oreille en même temps. Alors, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les prophètes de Dieu, quand ils parlent, les faux chrétiens, ils fuient, ils courent, ils se cachent. Prophets of God, la même chose. Speak, people of God, they flee, they hide. Quand vous allez dans cette assemblée, and when you go in those assemblies, il n'y a pas la présence de Dieu. There is not the presence. Il y a la bonne musique. There's good music. Il y a des belles voix. Beautiful voices. Les gens sont très bien habillés. People are well dressed. Il n'y a pas Dieu. But no God. C'est humain, c'est l'homme. It's human, it's man. Les prédicateurs, the preachers, sont comme des stars. Are like stars. Il y en a qui s'habillent tout en blanc. Some dress all in white. C'est du théâtre. It's a theater. Tout ça c'est théâtral. And all that it's theatrical. Et on consomme quoi? De l'eau boueuse, water, de l'eau sale. Dirty water with mud. Cette église là, this church, elle n'est pas céleste, elle est terrestre. It is not celestial, it is pourquoi? It is earthly. Parce qu'on vous why? Dit si vous donnez l'argent, vous serez béni. We say, if you give money, you'll be blessed. Vous serez millionnaire. You will be millionaires. Croyant en Jésus, vous serez milliardaire. Believe in Jesus and you will be a millionaire. Donnez la dîme, vous serez béni. Give your tithes and you will be blessed. Oh Dieu. God. Sauve-nous. Save us. Ils ont des jets privés, 2 ou 3 jets privés. They have 2 or 3 private jets.
Seigneur, sauve-nous. Lord, save us. Le retour de Jésus, on n'en parle même plus. The return of Jesus, we do not speak of. L'enlèvement de l'église, on n'en parle plus. The rapture of the church, we do not speak of. On vous dit, vous allez régner comme des rois sur terre. We say you will rule as kings on earth. Alléluia. Hallelujah. Un conseil. One advice. Prenez vos enfants, vos femmes, courez, quittez ces églises là. Take your churches and your children and your wives and run. Vous allez au ciel? You want to go to heaven? Sauvez-vous. Save yourselves. L'auteur continue. The author continues. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher avec la main. For you have not come to the mountain that may be touched. Ni du feu brûlant. And that burned with fire. Ni de la nuée épaisse. And to blackness and darkness. Ni des ténèbres. And a darkness, ni de la tempête, and tempest, ni du retentissement de la trompette, and the sound of the trumpet, ni du son des paroles, and the voice of the word, au sujet duquel ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur soit plus adressée. So that those who heard it begged that the word should not be spoken to them anymore. Ils ont demandé à ce que la parole ne leur soit plus adressée. They asked that the word may not be spoken to them anymore. Et bien, c'est ce qui se passe dans nos églises. And that's what we see in our churches. Paul dit, Paul says it. Il viendra un temps. There will be a time où les hommes ne supporteront pas la saine parole. Where men will not take, will not support. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. They will not want to hear agreeable things. Dans Esaïe, in Isaiah, le peuple disait, the people were saying, ils disaient aux prophètes, ne prophétisez pas de vérité. They were saying to the prophets, do not prophesy on the truth. Dites-nous des illusions. Tell us illusions. Et c'est ce que les pasteurs vous donnent aujourd'hui. And that's what pastors give you today. Des illusions. Illusions. Vous allez à l'enfer. You go to hell. Parce que vous êtes dans le péché. Because you are in sin. Et ne vous le disent pas. And do not tell them. Vous allez à l'enfer. You will go to hell. Ils remplissent vos crânes des illusions. They are filling up your mind with illusions. Et l'auteur dit, and the author says, car ils ne pouvaient pas supporter ce qui était ordonné. For they could not endure what was commanded. Ils ne supportaient pas les ordres de Dieu. They did not take the orders of God. Voilà l'église aujourd'hui. And that is the church today. On ne supporte plus. We do not endure. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta. God says, do not let this book of the law depart from you. Médite-le une semaine Meditate sur deux. Meditate it one week on two. Jour et day and night. C'est un ordre. It is an order, a command. Nous on a dit. We say que ce livre ne s'éloigne point de la bouche des pasteurs. That this word shall not depart from the mouth of the pastors. Qui le méditent jour et nuit pour that nous. That they meditate day and night for us. Et c'est pas ce que Dieu a dit. But that's not what God said. Alléluia. Que même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard, d'une flèche. And if so much as a beast touches a mountain, it shall be stoned and shot with an arrow. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. And so terrifying was the sight that Moses said, I am exceedingly afraid and trembling. Même Moïse tremblait. Even Moses was trembling. Ça c'est la première église. That is the first church. Ils sont dans l'assemblée. Ce sont nos assemblées aujourd'hui. Those are our assemblies today. Et vous allez voir que ces assemblées aujourd'hui, ce sont des assemblées mosaïques. And you'll see that these assemblies today are mosaic. Premièrement, first, Moïse c'est le temple physique. Moses is a physical temple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. That's what's happening today. Cotisons, nous allons construire l'église du Seigneur, existe-t-il? Let us all give money and we shall build the church of the Lord. Je venais avec le frère tout à l'heure en venant ici.
We were coming with the brothers. Et on a vu un bâtiment. And we saw a building. Et le frère était, c'est l'église, mais c'est pas une église. And the brother was thinking, oh, this church, but it's not a church. C'est un bâtiment. It is a building. C'est pas une église. It is not a church. Vous voyez, c'est ça, Moïse. That is Moses. Moïse. Moses. Bâtiment. Building. C'est grave. It is so bad. Parce que notre identité à nous, c'est une de nos identités, c'est laquelle? Nous sommes la maison de Dieu. We are the house of the Lord. Maintenant, on vous dépossède de votre héritage, de votre identité, et on dit, c'est pas vous, mais ça. And c'est ça, ça c'est bâtiment, cette maison. Of that identity, and we say, that building, that is it. C'est pas quelque chose d'anodin. It is not something. Ça détruit même notre identité. It destroys our identity. Voilà Moïse. That is Moses. Et on va jusqu'à lire le psaume 122. And we'll read Psalms 120. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de Dieu. Mais ce passage, on peut l'appliquer aujourd'hui. We cannot apply that passage parce today. Qu'on peut plus aller à la maison de Dieu. Because we cannot go onto the nous house. Nous sommes la maison de Dieu. We are the house of the Lord. Oh, c'est fatigant. It is time. C'est révoltant. It is revolt. Et Moïse, c'est quoi? Moses. Ben, les jours de prière qu'il faut observer absolument. The days of the prayers which we need to observe. Sabbath. The Sabbath. Pour le dimanche. Sunday. Moïse, c'est quoi? What is Moses? Moïse, c'est des sacrifices. Sacrifices. C'est pas bon. Donnez quelque chose qui vous coûte cher, disent-ils, give et vous serez bénis. That it's worth so much. Voleurs. Thief. Ce sont des bandits. They are bandits. Oh, Dieu, sauve-nous. God save us. Moïse, c'est quoi? What is Moses? Moïse, c'est la tenue vestimentaire. It's the dressing. Les vêtements, ça c'est de dos. The clothing. Oh, that's what's happening. Ils ont chacun sa tenue spéciale. Everyone has their special clothing. Tu vois un frère la semaine il est en jean, le week-end, pantalon à perse, chaussures de ville, costard et cravate. Il va à l'église. And he's going to church. Tu vois les femmes africaines avec leur chapeau, elles vont aller. African women with hats, they're going to church. Dis à ton voisin que Dieu le sauve. Tell your neighbor, may God save them. Alléluia. Amen. Vous voulez que je parle encore? You want me to speak more? Quand vous allez voir votre frère et soeur de sang, votre frère et soeur biologique. When you go see your biological brothers and sisters. Est-ce que vous mettez un costume de cravate? Do you dress up in costumes and dis à ton voisin, nous sommes malades. Tell your neighbor what to say. Dis-lui, nous sommes religieux. Tell your neighbor we're religious. Ça va, frère? Alors, regarde le frère. Oh, look at the brother. Qui croit que nous sommes frères et sœurs? Who believes that we are brothers and sisters? Dis, frère, tu vas où comme ça, costume et cravate? Where are you going all dressed up like? Ben, je vais voir ma sœur biologique. I'm going to see my biological sister. Et t'es obligé de mettre un costard? Are you? Alors qu'il fait 40 degrés dehors? Although it's 40 degrees outside. Nous sommes malades. We are sick. Dis à ton voisin, ça c'est Moïse. Tell your neighbor that's Moses. Oui. Si on va voir le roi. If we go see the king. Ah, ils disent que ben voilà, nous allons voir le roi de rois, donc il faut se mettre comme ça. They say that we're going to see the king of kings, so we need to dress like. Le problème c'est que le roi de rois habite en nous déjà. But the king of kings lives in us.
On va plus le voir, il est tout le temps avec nous. He's always with us. We do not need to go see him. He's always with us. En fait, in fact, Moïse, Moses, sous Moïse, under Moses, la présence de Dieu était dans le temple. The presence of God was there. Donc on allait voir Dieu dans le temple. So we were going to see God in the temple. C'est fini tout ça. That's done. Dieu est avec nous en permanence. God is with us permanently. Oh Seigneur, sauve-nous. Lord, save us. Moïse, Moses, c'est les Lévites d'un côté et le peuple de l'autre. Levites and the people on the other side. J'entendais tout à l'heure une sœur, une femme qui se dit chrétienne. I heard a Christian, a so-called Christian. Je l'entendais dire. She was saying. Vous, les pasteurs, vous êtes des serviteurs de Dieu. You pastors are servants of God. Nous, nous sommes les enfants de Dieu. We are the children of God. Vous, vous êtes les serviteurs de notre Père. You are the servants of our Father. Je ne vous cache pas, ça m'a énervé. I'm not hiding it to you. It annoyed me. Parce qu'il y a la sainte colère aussi. Because there is also the holy anger. Je me dis, voilà pourquoi les chrétiens sont tondus à longueur de journée. Ce sont des moutons. And that's why Christians nowadays are like lambs. Hein? Qui cherchent à être tondus en permanence. They seek to be led in permanence. Comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que quand on est chrétien, on devient serviteur de Dieu? That when you are Christian, you become a high priest of God, for God. Qui croit que Dieu nous a appelés pour l'adorer? Who believes that God has called us to worship? Qui croit qu'il nous a créés pour le servir? Who believes that God has called us to save him? Nous sommes tous serviteurs de Dieu. We are all servants. Arrêtons avec ce langage-là. Stop with that. Tu es le serviteur de Dieu. Qui? That is a servant of God. Then who are you? Parfois, tu as envie de prendre un fouet et de fouetter des gens. Something and just hit them with it. Okay. Alors, tout le monde. How is everyone? Oh, Dieu sauve. God save us. On est fatigués. We are tired. C'est pour ça que j'ai commencé par vous poser la question, où se trouve l'église du Seigneur? And that's why I began with the question, where is the church found? La réponse, elle est d'abord au ciel. The answer, it is first in heaven. Et là, on l'explique. And then we explain. Il faut d'abord parler de la fausse église. We need to speak of the false church. Alors, avant de parler de la vraie église. Before speaking of the true church. Vous avez vu l'église selon Moïse? You saw the church according to Moses. Vous avez un petit coin là-bas où on vend des choses. There's a corner where you sell things. Livres. Books. DVD. DVDs. CD. CDs. Et bénis pour les églises africaines. Small tidbits for African churches. Je crois au manioc. Des vêtements importés de Turquie. Imported from Turkey. Chine. China. La musique gospel. Gospel music. Oh Dieu. God. Ah, le pasteur n'a pas eu son salaire ce mois-ci. Nous devons cotiser pour obtenir son salaire. The pastor did not say his salary. We need to all put in money. Je vous pose la question. I'm asking a question. Qui paye les ouvriers? Who pays the workers? C'est leur patron ou leur collègue? Is it their manager or their colleagues? Qui dit que c'est leur patron? Who says that it's their manager? On est d'accord. We are all in agreement. Donc, moi en tant que prédicateur, je suis un ouvrier. So I, as a preacher, I am a worker. You are all workers as well. Alors, qui va donner le salaire à qui? So who will give salary to who? Qui nourrit les oiseaux? Who feeds the birds? God. Qui donne du pain au semeur? Who gives bread? Qui donne la semence au semeur? Who gives the something to the one who is seeking? C'est là-dedans, il faut qu'on soit délivré. It is inside and we need to be delivered. Là, je continue. Do you want me to continue? Oui? Une question? Attends deux secondes. Je voulais juste savoir, avec tout ce qui se passe et tout ça. With everything going on. Comme moi, par exemple, je suis une femme. I'm a woman. Et quand vous voyez tout ça, ça fait tellement mal à moi. And when I see all this, it hurts me. Je n'arrive pas à dormir.
Sometimes I'm not able to sleep. Should we stay quiet? Or should we ask God? What should we do? On peut pas se taire. We cannot stay quiet. D'où la persécution. That's the persecution. Les gens qui sont persécutés. People who are persecuted. Parmi les chrétiens. Among the Christians. Sont ceux et celles qui pleurent. Are those who cry. Souffrent. Those who et suffer. Qui ne veulent pas se taire. And if they stay quiet. Ils parlent mal de Seigneur. They speak of the word of God. Quand on voit ce qui se passe. Look at what's going on. Pas se taire. You cannot stay quiet. Non, c'est pas possible. It's not possible. C'est ça nous révolte. It is revolting. Moi, je suis un père ex-soignante. Donc, hier, je suis allée dans une maison visiter un monsieur. Yesterday, I went to go visit Alors, someone. Je suis rentrée, il a commencé à parler. Donc, je pense qu'il était un peu, je sais pas consommé. Après, il me disait des choses et tout ça. Après, il m'a dit que c'était de quel Dieu vous parlez. And he asked what God was speaking. Jesus Christ. Moi, je suis pasteur. And he said, I'm a pastor. I was a pastor. Je te conseille de ne plus aller à l'église. But I advise you not to go to church. Commerce. Because it is a business. Je suis sorti et tu m'as mis dans la rue. And God wants to go to the street. Des choses comme ça se passent aussi ici. Parce que I was astonished to see that things like this are here too. De ma French or And I was actually He was a pastor. Comment quelqu'un qui se dit chrétien, how can someone who is so-called Christian, enfant de Dieu, children of God, comment ça se fait que cette personne n'ait pas compris qu'elle est serviteur, servante de Dieu? How can it be that that person did not understand that they are servant appelé à servir Dieu? Called to serve God. Comment ça se fait? How can that be? C'est l'héritage de Calvin, Jean Calvin, Martin Luther. Martin Luther. Ils ont au 16e siècle combattu, lutté, pour que les chrétiens comprennent qu'ils sont tous serviteurs de Dieu. So that the Christians may know that they are all workers of God, servants of God. Oh, Dieu sauve nous. God save us. Voilà, ça c'est l'église terrestre. That is the earthly church. Terrestre. Earthly. Cette église elle est matérialiste. This church is materialistic. Elle est attachée à l'âme. It's attached to elle est attachée au matériel. To the material. Elle est attachée au monde. To the world. Elle aime le monde. It loves elle aime les honneurs. It loves elle aime les acclamations. Acclamations. Elle met l'accent sur la tenue vestimentaire. And it puts an accent on c'est ce que nous the clothing. That's what we see. Des pasteurs divorcés, remariés, c'est ce que vous voyez. Pastors being married again, that's what we see. Cette église. This church. Elle parle pas du royaume de Dieu. It does not speak of the kingdom. Elle parle de notre royaume. It speaks of another kingdom. Elle te dit que tu vas régner sur terre. It says that you will rule on earth. Avec cette doctrine qu'on appelle le kingdom now. This doctrine, royaume maintenant. Kingdom now. Oh Dieu. God. Et ces chrétiens d'origine hébraïque and these Christians of origin Hebrew étaient membres de cette église terrestre. Were members of this earthly church. Un peu de Moïse. A little bit of Moses. Un peu de grâce. A little bit of grace. Ça a donné une église que Dieu ne connaissait pas. And they gave a church which God did not know of. Et l'auteur a commencé d'abord par leur parler de la fausse église. And the author began by speaking of the false church. L'église charnelle. The church, the earthly church. Moïse était un vrai homme de Dieu, oui. Moses was a true man of God. Mais le peuple a créé la religion. But the people feared le peuple a créé le judaïsme. They created Judaism. Au pied de la montagne avec Aaron. At the feet of the mountain. Musique, music, divertissement, danse, hôtel, de sacrifice, sacrifices, voyez, tout ça. All those things.
les bijoux, jewelry, voyez, l'or, gold, l'argent, money, silver. Voilà ce que c'est l'église. That is a church. Et ensuite tu leur dis. And then after he says. Il leur dit. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. But you have come to Mount Zion. La montagne de Sion. The Mount Zion. Regardez bien la plupart des paraboles dans la Bible. Look at most of the parables in the church, in the Bible. Relative à l'église. Relative to the church. Parler en même temps du royaume. Spoke at the same time of the kingdom. Le Seigneur dit. The Lord said. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. The kingdom of God resembles 10 virgins. Who read that story? Les 10 vierges représentent quelle? The 10 virgins. Pourquoi? What do they represent? La vraie église et la fausse église. The true church and the false church. Amen. Donc vous voyez, on associe toujours l'église au royaume. And we always associate the church to the kingdom. Le royaume. The kingdom. C'est la montagne de Sion. It is a mountain of Zion. À chaque fois que le Seigneur parlait de paraboles, en général, the Lord spoke of parables, il faisait allusion à l'église. He always associated the church. L'église et le royaume. L'église church et le royaume. Kingdom, l'église et le royaume. The church and the kingdom. Et Jésus dit à Pierre. And Jesus told Peter. Et moi, je te dis que tu es Pierre. And today you are Peter. Je dirais même avant qu'il te dise cela. And I'll say even before he said that. Il pose la question, qui suis-je au dire des hommes? He asked. Qui suis-je au dire des hommes? Qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent sur moi? Who am I before men? Pierre reçoit la révélation. And Peter receives revelation. Tu es le Fils de Dieu. You are the Son of God. Tu es le Messie. You are the Messiah. Et Jésus dit, tu es béni. And Jesus says, you are blessed. Le mot traduit par heureux veut dire d'abord béni. You are blessed. Le mot grec. That is a Greek word. Right? Donc la bénédiction. So the blessing. C'est pas quand tu as beaucoup d'argent. It's not when you have a lot of money. C'est pas ça la bénédiction. That is not the Parce blessing. Parce que les païens ont l'argent. Because the pagans. C'est eux qui ont créé l'argent. They created money. C'est eux qui ont inventé l'argent. They invented la monnaie. C'est pas quelque chose qui est né dans money, la avec Dieu. It is not something that came c'est dans un pays étrange, un pays païen. That is paganism. Au 6e siècle. Au 6e siècle. Donc la bénédiction, so the blessing, c'est quand tu as la révélation, is when you have the revelation, sur Dieu, quand Dieu se révèle à toi. When God, c'est ça la bénédiction véritable. Alléluia. Ça, on acclame là, on acclame le Seigneur. Now we are clapping for the clap of the Lord. La bénédiction, la gloire. All glory to God. Donc la bénédiction, the blessing, c'est quand tu sais qui est Dieu. Is when you know who is God. Pourquoi? Why? Parce que l'argent est passager. Because money, c'est du papier. It's paper. C'est juste un moyen pour nous permettre de nous organiser sur terre. Mais c'est pas ça la bénédiction. To organize ourselves here on earth, but that is not blessing. Et c'est ce que vos églises vous enseignent. And that is what your churches teach you. Vous n'avez pas besoin de lire la Bible pour avoir de l'argent. You do not need to read the Bible to get money. Vous avez besoin de travailler. You need to work. Vous comprenez? Les païens, ils ont l'argent. The pagans, they have money. On vous a envoûté avec cette doctrine. You were cursed with this doctrine. Oui, il faut la lire la Bible. Yes, you need to read. Mais c'est pas pour avoir l'argent, but it's not to get money. Il faut la lire pour aller au ciel. You need to read it to go to heaven. Il faut la lire pour vivre correctement sur terre. To live right on earth. Pour être juste. To be right. Que celui qui ne travaille pas ne mange. The one that does not work shall not eat. On n'a pas dit que celui qui ne lit pas la Bible ne mange pas. We did not say the one who does not read the Bible shall not eat. Pas de photos, frère. Tu peux effacer ça. No photos. Ok, merci. On pas de photos. No photos, please. Dieu pleure. God is crying. On est fatigué. We are tired. You have come close. Donc il y a un rapprochement entre l'église de Dieu et le royaume. There is a coming close et between y a un rapport. The church of God et and une relation. Relationship. Et ce rapprochement là, ce lien là, cette communion là and a été brisée. Communion was broken. Quand Adam est tombé. When Adam fell. Et là Dieu nous rapproche. And now God is bringing us back. De la montagne de Sion. To the mountain of Zion. C'est-à-dire qu'elle est céleste. It is celestial. Voilà. La vraie église. That is the right church. Ephésiens nous dit que nous sommes ressuscités. God, Ephesians says we are resurrected. Et assis.
and seated dans les lieux célestes en Christ. In a celestial church donc, in Christ. La vie chrétienne, so the Christian life commence par la position assise. Begins by the position of being seated. Il n'y a pas d'excitation. There is no excitement. On ne court pas à gauche, on ne court pas à droite. We do not run left or right. On ne cherche pas les prophètes, les apôtres ici et là. Prophets or apostles. On est assis. We are seated. On commence par la position assise. We begin by the position being seated. Et on nous dit dans les lieux célestes. And we are told in the heavenly places. Alors pourquoi cherchez-vous encore l'approbation des hommes? The approval of men. Alors que vous êtes déjà au ciel. But you are in heaven already. On se bat pour les postes dans les églises. We are battling for positions in the church, for titles. Qui va chanter? Who will qui sing? Va prêcher? Who will preach? Qui va faire quoi? Who will do qui what? Va faire ci? Who will do this? Regardez-moi cette guéguerre là. Look at this. C'est fatigant. It is tiring. Moi je dis souvent frère, vous voulez prendre les églises? Prenez I told tout. The brothers, you want to take the churches, take all. Les assemblées que Dieu m'a fait implanter, des gens qui s'en ont, qui ont voulu les prendre, je dis gardez-les. Keep them. Hein? Le Seigneur a dit. The Lord said. Qui suis-je? Who am I? Pierre reçoit la révélation. Peter is Dieu le Messie. You are the Messiah. Dieu le Fils de Dieu. You are the Son of God. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? And what does the Lord say? Et moi je te dis. I tell you. Que tu es le Petros, un caillou. That you are. Et que sur ce grand rocher, and that on this rock, je bâtirai. I will build. Jésus a dit, je bâtirai. Jesus said, I will il n'a pas dit les grands apôtres vont bâtir. He did not say the big apostles il dit, je bâtirai. He said, I will build. Il n'a pas dit les grands bishops vont bâtir. He did not say the great bishops. Il dit, je bâtirai. He said, I will build. C'est lui qui bâtit. The one, he is et il a déjà bâti. And he has already il a bâti déjà son église. He has built his church already. Je bâtirai. I will build. Et il dit, je bâtirai quoi? And he said, I will build what? Je bâtirai mon église. My church. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, vous êtes membre des églises des hommes. So you are members of church of men. Il y en a qui sont sortis de là, gloire à Dieu. Some have come out of it, glory beaucoup to God. Beaucoup de pasteurs nous disent, ça c'est mon église. Sortez de là, c'est son église. A lot of people are saying, this is my church, come out of it, get out. Sont mes brebis, ah bon? They are my sheep. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Jesus said, my quittez sheep hear my voice. Alléluia. Amen. Seigneur sauve-nous. Lord save us. Oh Seigneur Jésus. Lord Jesus. Église pentecôtiste. The Church Pentecostal Church. Église catholique. Catholic Church. Église réformée. Reformed Church. On est tous passés par là. We have all. Moi je dis c'est pas les églises réformées, ce sont des églises déformées. I say they're not reformed, they are deformed. Parce que ce sont, la réforme s'est arrêtée avec eux. Because reform. Alors que le réformateur disait que la réforme est toujours d'actualité. L'église réformée est toujours à réforme. The church reformed is always reformed. C'est un des piliers de la réforme protestante. It is one of the signs of the reform. Alléluia. Les enfants. The children. Écoutez bien. Listen well. Voyez mes amis. You see, my friends. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion. You have come to Mount Zion. Comment? How? Mais tu peux pas t'approcher de cette montagne si Dieu ne t'appelle pas. You cannot come up if God has impossible. Called you. Impossible. John. Reçoit l'appel pour aller au ciel. Receives the calling to go to heaven. Dans Apocalypse 4. In Revelation 4. On nous dit qu'il a entendu une voix du ciel qui dit monte ici. He heard a voice saying, come up. Donc ça veut dire quoi? Meaning it means. T'es pas membre de cette église là parce que. You are not member of that. Parce qu'on t'a fait accepter Jésus. Because you accepted Jesus. Parce qu'on t'a fait accepter Jésus. Because you were made to accept Jesus. Non. No. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Ça c'est ce qu'on vous dit. Répétez, Seigneur we Jésus. We tell you to repeat, Lord Jesus. Seigneur Jésus, je te reçois. I receive you. Je te reçois. I receive comme you. Comme mon Seigneur. As my Lord. Comme mon Seigneur. As my Lord. Comme mon Sauveur. As my Savior. Comme mon Sauveur. As my Savior. Amen. Amen. Ah ben t'es sauvé. And then you are saved. Ah non. No. C'est faux. That's false. Qui a fait ça? Who did that? C'est écrit nulle part. It's written nowhere. Pour qu'un enfant naisse dans le monde, in order for a child to be come to earth, avant de naître, before being birthed, est-ce qu'il répète une parole quelque part? Does he repeat a word somewhere? Fœtus, oui. Fœtus, yes. Répète. Repeat. Je sors du ventre. I'm coming out of the belly. Je sors du ventre. I'm coming out of the womb.
Je suis maintenant né dans le monde. I am now born in the world. À l'hôpital Saint-Joseph. At the hospital Saint-Joseph. C'est comme ça que ça se passe? Is that how it happens? Dis à ton voisin religieux. Tell your neighbor religious. Alléluia! Et bien voilà, tu es né de nouveau. And then you were born again. Tu as répété oui. You repeated yes. Comme un perroquet, oui. Like a parrot, yes. Et bien voilà, carte de membre, tac. And then here's a card for member. Baptême, tac. Baptism. Tu payes ta dîme tous les mois. Pay your tithes every month. Tu payes ton pasteur. You pay your pastor. Suis ton pasteur. Tu iras au ciel. And you go to heaven. Vous voulez que je parle encore? Do you want me to speak more? Seigneur, sauve-nous. Lord, save us. C'est Dieu qui nous appelle. God calls us. Jésus a dit quoi? Jesus said what? Personne ne peut venir à moi. No one can come to me. Si? If. Si mon père me. If my father. L'attire. Le verbe grec signifie aussi traîner. So the Greek verb is to bring. Si Dieu te traîne. If God drags you, il t'attrape comme ça là, allez, he drags you and catches you. C'est pour cela ceux qui sont réellement convertis. And that's why those who are truly converted. N'ont pas eu le choix. They didn't have a choice. Ils ont fui Dieu, ils ont évité Dieu, they un jour ils ont attrapé. They tried to save God and God caught them. Personne, Jésus a dit, ne peut venir à moi. Personne. Jesus said, no one can come to me. Parce que Jésus est sur la montagne de Sion. Il Jesus est au-dessus. On the mountain of Satan, voulait établir son royaume sur cette montagne. Wanted to establish his kingdom il voulait s'asseoir sur la montagne de Dieu. He dit Ezekiel. To be seated in the mountain of God. He said it in Ezekiel. Pour aller là-haut, to go up, c'est Dieu qui t'entraîne. Is dragging. Il t'entraîne, il te traîne, il t'attire. He will drag you and attract you. C'est pour cela que beaucoup doivent revoir leur conversion. And that's why many need to look again at their conversions. Alléluia. Amen. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion. You have come to Mount Zion. De la cité du Dieu vivant. And to the city of the living God. C'est une cité. That city. C'est une cité. L'église est une cité. The church is a city. Pierre nous dit que nous sommes une ville. Peter says we are a city. Et vous êtes une nation, Paul. Pierre dit. And you are a nation. Une nation sainte. A holy nation. Aha. Un peuple à qui? A people to who? Wow. Dis à ton voisin. Tell your neighbor. L'église véritable est une acquisition de Dieu. The true church is an acquisition of God. Voilà. Donc vous voyez ces églises là que vous connaissez, ce ne sont pas les acquisitions de Dieu, ce sont les acquisitions des hommes. Those are acquisitions of men. Ah, j'ai mis 10 ans pour construire cette église. I put 10 years to build this church. C'est normal, c'est ton acquisition. It's normal. C'est ta propriété, pasteur. It's your property, pastor. Moi là, tu ne mourras pas là-dedans. But I, you will not get me. No. Ça c'est ma vision, celui qui n'est that pas d'accord ou pas. Vision, the one who's not agreeing, leave. It's normal. Pasteur, je sors parce que c'est ta vision. Pastor, I'm leaving. It's your vision. Oh, Dieu sauve. God save us. C'est grave ce qui se passe. It is harsh what's happening. Alors là. And so then. L'auteur dit. The author says. Vous êtes approché de la Jérusalem céleste. But you have come to Mount Zion. Que signifie Jérusalem? What is Jerusalem? What signifies Jerusalem? Fondement de paix. The foundation of peace. Ah. L'église véritable a fait la paix avec Dieu. The true church made peace with God. L'église véritable a la paix du cœur. The true church has the peace in the heart. Donc on associe la Jérusalem céleste à l'église. And so we associate the celestial Jerusalem to the church. Vous savez la vieille ville de Jérusalem? You know the city of Jerusalem. Je l'ai vu une fois. I saw it once. C'est une ville fortifiée.
It is a strengthened inaccessible. Inaccessible. Parce qu'il y a une forte, grande muraille autour. Wrong. There are strong walls around. Voilà l'image de la véritable église. That is the image of the true church. L'ennemi ne peut pas, s'accaparer de cette église. Cannot acquire that church. Parce qu'elle est fortifiée. Because it is strengthened, it's fortified. Elle est protégée. It is protected. Parce que cette ville est inaccessible pour les hommes de ce monde. That city is inaccessible for the men of this world. Pour les démons. And for the demons. Inaccessible. Inaccessible. Et Seigneur dit. And the Lord says, les portes de l'enfer ne pourront pas la détruire. Of hell will not destroy it. Et regardez dans vos églises. Look in your churches. Beaucoup passent leur temps à chasser les démons. Many seek time à combattre. To battle. Combat. S'ils ont une persécution, if they have a persecution, ils vont chercher un démon de persécution. S'ils ont un problème, ils vont chercher un démon de problème. They'll look for a demon of problem. C'est-à-dire que Dieu ne les éprouve plus. Meaning God is not even testing them anymore. Parce qu'on leur a prêché une fausse église. Because they were preached of a false church. Une église où tout le monde est gentil. A church where everyone is nice. Même le diable devient gentil. Even the devil becomes nice. Avec tout ça, là, ça, on peut te lapider hein, avec tout ça. All this, you can be stoned. Alléluia. Vous vous êtes approché. But you have come. D'une multitude innombrable d'anges. To a multitude of angels, innumerable company of. Les anges sont au service de l'église véritable. The angels are at the service of the true church. Alléluia. À notre service, et on dit, l'auteur dit, vous êtes approchés de l'assemblée et de l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. To the general assembly and church of the firstborn. Les premiers-nés. Les premiers-nés. The firstborn. Tu es fatigué, frère? Are you tired, brother? Ok. En Israël. In Israel, les premiers-nés, the firstborn, recevaient la double portion, received the double portion, de l'héritage de leur père, the inheritance of their father. Donc, ça veut dire l'église véritable, meaning the true church, a reçu aussi la double portion, received the first, the double c'est portion. Terrible. And it's terrible. Et vous, vous cherchez encore à ce que les pasteurs vous imposent les mains pour recevoir quelle portion. To lay their hands on you to receive what portion. Vous vous rendez compte? Can you imagine? Vous êtes les premiers-nés. You are the firstborn. Dis à ton voisin, tu es premier-né. Tell your neighbor you are firstborn. Voilà. Alléluia. Vous cherchez encore des pasteurs marabouts, des pasteurs ganga, des pasteurs. Pastors. Oh Seigneur, sauve-nous. Lord, save us. Un jour, un frère est venu me voir pour la prière. One day, a brother came to see me for prayer. Je faisais la queue. And he was in the line. Parce qu'il avait un cancer de prostate. He had a cancer. De prostate. He had a prostate cancer. Mm-hmm. Et là. And then. Le Seigneur me dit, ben, qu'il retourne, il est guéri. The Lord said, he can go back. Il sort de la queue, rentre chez toi, il est guéri. And I told him, leave from the queue. And il ressort de la queue, il refait encore la queue, il revient encore. He leaves and he comes back in a line. Je lui dis, mais tu as un problème. I said, you have a problem. Il avait besoin absolument que je le touche, que je le mette de he l'eau, de l'huile, to je sais pas him, to put oil or water. Voyez comment nous sommes. You see how we are? Il est parti faire des examens et and he left, he did the exams and he was healed. Les chrétiens ont des chrétiens ont des problèmes. Christians have problems. En fait, ils sont chrétiens in à temps partiel. They are part-time Christians. Dieu sauve-nous. God save us. Vous vous êtes approchés. You have come du Dieu vivant. To the living God. Avant, c'était pas possible. Before, it was not able. Du Dieu vivant. The living mais God. Si tu es Dieu, but if you have God, si tu t'es approché de Dieu, if you have come to God, Shora, alors qui est Shora? Shora, then who is he? Rien. Et quand vous voyez des prédicateurs, when you see preachers, oh,
Qu'est-ce qui vous arrive? What happens to you? Soyez comme ça avec Dieu, pas avec les hommes. Be like that with God and not with men. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le fils, le fils du premier ministre canadien, comme ça devant un policier, un simple policier? A police officer. Hein? Non. No. Vous êtes le premier né. You are the firstborn. Vous êtes là devant les hommes. You are there before men. Qu'est-ce qui vous arrive? What is happening? Dis à ton voisin, tu as un problème. Tell your neighbor you have a problem. Dis-lui, tu ne connais pas ton identité. Tell you do not know your identity. Qu'est-ce qui t'arrive? What is going on with you? Et quand Jésus passe, and when Jesus passes, tu ne vois même pas. You do not even see him. C'est qui? C'est la chambre. Et toi, t'es qui? Consommateur. Consumer. Idolâtre. Idolatry. C'est vous qui tuez les prédicateurs. You are the ones who kill the preachers. Ils commencent simplement, vous les élevez, vous les adorez, vous les mangez, vous les tuez. Et puis après, vous cherchez quelqu'un d'autre. And then you seek for another one. Jusque-là, c'est fini. Dieu ne peut pas être lui, c'est fini. On l'a tué. Oh, we killed him. On l'a fini. He's done. Quand vous voyez les hommes, vous voulez leur partager tous vos problèmes, tous vos soucis. You want to tell them all your problems. Des problèmes kilométriques. Problems that are kilometers. Avec Dieu, vous parlez très peu. You speak very little. Mais avec les hommes, criez. Les autres font la queue. Mais quand est-ce qu'il va finir cela? When is this man gonna? Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Tell your neighbor, we have problems. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? You want me to speak more? Dis à ton voisin, ça c'est l'idolâtrie. Tell your neighbor that is idolatry. Dieu. God. Je viendrai te voir après. I will come see you after. J'ai trouvé un prophète. I found a prophet. Qui est mieux que toi. Who is better than you. Donc tu m'attends. So wait for me. Dieu, God, je viens te voir aujourd'hui. I will see you today pour prier. To pray. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Au revoir. Amen. Bye. Et quand tu vois un prophète, and you go see a prophet, ah, il faut que tu me donnes au moins 2 heures. Prophet, you need to give me 2 hours. Ma part, ma part. Les enfants, il y a des souris dans la maison. Il y a ça. Alléluia. Vous rendez compte à quel point nous sommes malades? Can you see at what point we are sick? Alors comment voulez-vous que les pasteurs ne demandent pas un tarif? How do you not want pastors to ask a tariff? Parce que l'heure tourne, l'aiguille tourne. The church is turning. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui doit se repentir aujourd'hui. I believe that someone needs to repent today. Qui veut se repentir? Who wants to repent today? Dieu. God. Oh, t'as vu cette femme qui chante? Oh, did you see this? Oh là 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 là, terrible. Oh là là. Et Dieu dit, ma fille, oui. And then God says, my daughter. Sais-tu que tu peux aussi m'adorer? Do you know that you can also worship me? Ah ouais, moi, je ne sais pas jouer l'instrument. I don't know how to play this. Et qui te dit qu'adorer c'est jouer l'instrument? Who says that worshiping is playing? Et qui te dit que celui qui joue de la guitare est né avec cette capacité? Who tells you the one who is playing the guitar is born with that capacity? T'es fainéant. You are lazy. Dieu sauve-nous. God save us. L'église véritable, the true church, elle est d'abord au ciel. Is in heaven. Pourquoi le ciel? Why in heaven? Parce que cette église, because this church, doit expérimenter, needs to experience, les choses célestes, celestial things, la paix, peace, la joie, joy, la crainte de Dieu, fear, l'amour, love, et pour pouvoir manifester ces choses là sur terre. And to manifest those things on earth. Elle est appelée à manifester les caractéristiques du ciel. It is called to manifest the characteristics of heaven. Elle est d'abord au ciel. It is first in heaven. En fait, la sœur se convertit aujourd'hui, par exemple. In fact, the sister converted today. Dieu la prend. God takes her. Elle est au ciel. He brings her to heaven. Elle va expérimenter le ciel. Je parle de manière spirituelle. In the spiritual realm. Et Dieu la ramène sur terre. And then God brings her back on earth.
Donc elle est à la fois au ciel et sur terre. So she has faith in heaven and on earth. Si elle n'est pas d'abord au ciel, if she's not first in heaven, et quelqu'un est sur terre tout le temps, and she's here on earth always, elle ne va pas tenir. She will not stand face à la séduction. Before seduction. Face à la persécution. Persecution. Elle ne tiendra pas. She will not fail. She would not stand. Et les gens qui vont la voir, and the people who will see ils vont dire, mais toi, tu es chrétienne. They'll say, you're a Christian. Tu t'habilles comme nous. You dress like us. Tu fumes comme nous. You smoke like tu us. Tu mens comme nous. You lie like us. Quelle est la différence entre nous et toi? What is the difference between you and I? Cette église-là, that church, elle est céleste. It is celestial. Et en même temps terrestre. And at the same time, le Seigneur disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. The Lord says, you are in the earth, but you are not of the earth. Et quand les gens vont la voir, and when the people les gens vont dire, mais tu es la sel, le sel de la terre. You are the salt of the earth. Tu es la lumière du monde. You are the light of the world. Et elle va donner envie aux gens and she will give an envy to people d'aller au ciel. To want to de connaître son Dieu. To know her God. Donc cette église-là est sur terre juste pour témoigner la gloire de Dieu. To testify the glory donc elle est appelée à témoigner par sa vie de sainteté. Par la holiness. Au travers de la puissance de la guérison, de délivrance, de miracles. The power of healing, of deliverance, of miracles. Voyez? You see? Oh Dieu. God. C'est pour cela qu'il faut arrêter avec vos dénominations là, tout ça là. Beaucoup ont compris cela, beaucoup ont compris. Quittez. Sortez de là. Come out. Ah mais le pasteur, je l'aime beaucoup. Eh bien, tu vas aller jusqu'à l'enfer. Le sentiment. Feeling. La parole de Dieu. The word of God. Ne change pas. Does not change. Dieu a dit, il y a une seule église qu'il connaît. Only one church. Son peuple. His people. Cette église-là, that church, elle n'est pas remplie que d'Africains. It is not only filled with Africans. Donc si toi dans ton église, il n'y a que d'Africains, so if your church is only African, pose-toi la question. Ask yourself the question. Donc ça veut dire que Dieu qui est là-dedans, c'est un Dieu africain. Meaning that God is an African God. Oh non, mais vous savez, à Toronto, il y a plusieurs communautés, Toronto, c'est très communautaire. Ah oui, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que dans mon royaume, kingdom, dans notre royaume, kingdom, quand un filet est jeté dans l'eau, il attrape toutes sortes de poissons. Donc si tu n'as pas la puissance and de briser les murs, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. You do not have the spirit ça peut vous choquer, mais je suis désolé de dire ça. Voilà. Parce que tout est possible à celui qui. All is possible to the one who believes. Moi, ça m'intéresse pas d'être à Toronto et d'aller dans une église africaine. Si je veux une église africaine, je retournerai en Afrique. If I see an African church, I'll go back to Africa. Vous prenez vos femmes, elles sont canadiennes, vous les transformez you en africaines. Which are Canadians and you transform them into Africans. C'est pas ça l'église. That is not the church. L'évangélisation, c'est pas la colonisation. Evangelization is not colonization. La réunion commence à 10h, on dit faut mettre à 8h parce que c'est l'heure africaine. Vous êtes au Canada. At 10 and they say you have to come to 8 and aren't you in Canada? Oh Dieu sauve nous. God save us. Vous-même la chrétienne, vous avez des amis canadiens? Do you have? Ça fait 20 ans au Canada, vous n'avez même pas un ami blanc. In Canada and you do not have raciste. One white friend, you are racist. Vous ne savez même pas parler l'anglais. You do not even know how to speak in English. Quand vous allez faire vos démarches administratives, vous prenez vos enfants pour qu'ils parlent à votre place. You bring your children. Vous êtes des feignants. You are lazy. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? You want me to speak? Allez, frère, je reviens nous prêcher. Vous êtes en danger là parce que moi je parle. Brother Sean, come and preach as I'm preaching, I'm speaking. Alléluia. Amis jamaïcains, vous en avez? Do you have a Jamaican friend? Ah oui, mais c'est compliqué. Yes, but it's complicated. On dit qu'ils se ressemblent, ça sent. They say those who resemble together are going to stay together. Ah oui, si nous nous ressemblons en Christ. So if we resemble ourselves in Christ, donc logiquement, ça semble. Then logically, we are supposed to. Ah oui, vrai ou faux? True or not? Voilà. Qui croit que nous avons des problèmes? Who believes that we have issues? On est à Toronto. We are in Toronto. On sort pour évangéliser. We go out to TV. On évangélise les noirs. Quand on voit les blancs passer, on ne voit pas. Black people. When we see white people, we do not.
Quand on voit un homme, on dit, ouais, l'invitation va venir. L'invitation va venir. Seigneur, sauve-nous. Lord, save us. C'est normal, parce que quand les blancs viennent, ils trouvent que tout le monde, them, on est habillé à Mobo, we are all dressed in tout le monde est à Mobo. Everyone in African attire. Tout le monde chante dans sa dialecte. Everyone is singing in their own dialects. On dit c'est quoi là? And we say, what is that? Ah, ben, c'est la musique du pays. That's the music of the country. On nous chasse. And then we cast us out. Les blancs viennent, on commence à parler le patois. People come and we begin to speak in patois. Devant eux, vous parlez le patois. Before them, we speak in that. On nous chasse. Well, let's cast them out. Seigneur, Lord, yes. Donne-nous l'onction pour toucher le Canada. Pointing to touch Canada. Quand vous faites des agapes, il n'y a que le manioc, 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 manioc. Agapes or reunions, there's only cassava. Vous êtes au Canada, vous n'avez jamais été dans un restaurant. You've never been to a restaurant. Vous êtes au Canada, vous n'avez jamais été dans un restaurant jamaïcain. C'est que le ndolé pour les Camerounais, la semoule pour les Congolais. Hein? Vous. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, papa. Vous voulez que je parle encore? Alléluia. Et vous êtes raciste. And you are racist. Vous dites à vos enfants, surtout, il ne faut pas y toucher les Canadiens. Do not touch Canadians. Mais rentrez en Afrique dans ce cas. Oh, let's go in Africa. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? You want me to speak? Mm. On doit se repentir. We need to repent. Surtout, il ne faut pas épouser une Rwandaise. Surtout, mais qu'est-ce que vous avez avec le Rwandais, les Burundais, tout ça? Qu'est-ce que vous avez avec ce peuple-là? Qu'est-ce qui se passe? Surtout pas un Congolais. Especially not a Congolese. Surtout pas un Congolais. Raciste. You are racist. Voilà l'église terrestre. That is the earthly church. Voilà pourquoi ça fait des années que vous priez, vous prêchez. Il n'y a pas le réveil. Il n'y a rien. No revival. Une sœur me disait la dernière fois, elle disait, mais a sister was telling vous avez fait une réunion à Paris avec des tout métis, arabes, blanc, jaune, marron, chocolat, bleu. C'est ça le Seigneur. And I said, that's the Lord. Tout le monde est concerné. Everyone is concerned. Jésus est pour tout le monde. Jesus is for everyone. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Il y a des Canadiens qui sont fatigués. There are Canadians who are tired. Il y a des Africains qui sont fatigués. There are Africans. Les nations sont fatiguées. Nations are tired. Et quand tu regardes nos églises, but when you look at the churches, ça c'est l'église jamaïcaine. This is the Jamaican church. Oh. Église this canadienne. Is the Canadian church. Église congolaise. This is the Congolese church. Et dans une église africaine, vous allez voir, s'il y a un blanc qui persévère, c'est qu'il est colonisé. Il est habillé en bambou, il essaie de parler comme les Africains, il attrape même l'accent africain pour se faire accepter par les Africains. Tiens, ton voisin, sorcellerie! Et les tantines. And the aunties. Elles vont dire à cette femme, toi t'es. Tu ne parles pas encore le Camerounais, toi. You do not speak yet like us. Je fais de bientôt. I'm almost done. Il faut que ça passe. But it needs to go through. Qui veut changer? Who wants to change? Regardez. Look. Ça fait combien d'années vous êtes au Canada? How many years has it been since you were in Canada? Combien de Canadiens avez-vous gagné au Seigneur? How many Canadians have you won for the Lord? Posez-vous la question. Ask yourself the question. Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Faisons le bilan. Let's do a review. Soyons révolutionnés. Let us be revolutionized. Posez-vous les bonnes questions. Ask yourself good questions. Pourquoi ton message ne touche que les gens d'une catégorie? Why is your message only touching a category of people? Seigneur, sauve-nous. Lord, save us. Tout est possible. All is possible. L'église véritable. The true church. L'église véritable est basée sur la puissance de la résurrection. The true church,
of resurrection. Alléluia. Et la puissance de la résurrection. And the power of resurrection. Celui qui la manifeste. The one who manifested. Va toucher les nations. Will touch the nations. Jésus quand il est venu. Jesus, when he came, il a touché les nations. He touched the nations. Même une femme syrophénicienne, de nous parler du Seigneur, elle est arrivée jusqu'à Israël. A woman heard and came all the way to Israel. Même les Samaritains étaient touchés. Even the Samaritan came. La femme Samaritaine, vous connaissez l'histoire. Toutes les nations. All the nations. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations. Go and make of all nations. Des adeptes. No. Des pentecôtistes. Pentecostals. Des baptistes. Baptists. Des réformés. Reformed. Des presbytériens. Presbyterians. J'aime bien les mots sont très parlants. The words, they're very sweet. Les presbytériens. Rien. They have nothing. Hein? Alléluia. Les bas, ils sont tellement bas. They are so hein? Oh, que Dieu nous sauve, frères et sœurs. Il a dit des disciples. He said disciples. Nous sommes les amis, de tel prophète. Friends of this prophet. J'ai eu un prophète à Kinshasa. There was a prophet in Kinshasa. Au téléphone, il me dit, je suis ton disciple. Tu es mon disciple. Moi, je veux mon disciple. No. Ah non. I said no. Je lui dis, t'es prophète en plus. You are a prophet. Tu dis que tu es mon disciple. And you're saying that you are my disciple. Tu te mets sous moi et Dieu, je te manipule. Under me, I can manipulate you. Ah non. Dieu, tu es disciple de Jésus-Christ. You are a disciple of Jesus Christ. Arrêtez de vous mettre vous-même sous le joug comme ça. Put yourself under. C'est pour ça qu'il y a la persécution, ma sœur. And that's why there's persecution. Les vrais chrétiens qui comprennent ces choses-là, ils sont persécutés. Ils sont persécutés. They are persecuted. Ah. C'est comme vos pasteurs ici. Là. Like your pasteurs here. Ici, y a pas de prophètes chez vous ici. There's no prophets here. Qu'ils soient blancs, noirs, je vois des prophètes à Toronto ici. I do not see Dieu m'a montré, ils sont cachés, ils sont persécutés. Les grands ici là, qu'ils soient nigériens, qu'ils soient ghanéens, qu'ils soient congolais, qu'ils soient canadiens, tout ça là, ce sont des boutiques ici là, boutique sur boutique. Voilà. Et ça marche bien. And it works well. Seigneur, sauve-nous. Lord, save vous avez vu les premières dames ici, les faces de l'église. Wow! La femme du pasteur devient première dame. So the pastor's woman. Comme. Mais c'est grave. That is rich. Alléluia. Vous en avez ici aussi, non? You have some here. Hein? Later. Gloire à Dieu. Qui est choqué par rapport à l'enseignement sur l'église? Who is shocked about the teaching? Qui veut poser des questions par rapport à l'église? Who wants to ask questions in regards to the church? Par rapport aux églises. Oui, t'as des questions? D'accord. Oui. J'ai une question. C'est pas une question, mais je disais s'il y avait moyen, si Dieu me dit comment on peut interpréter le texte. Qui est de Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu 13, 24. Matthew 13, chapter 4. Je peux lire. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson de la maison vert lui dit, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'on arrache l'ivraie. Vous ne déracinez pas le blé. Oui. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la à gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Mon constat, c'est là parce que vous avez parlé de quitter. Il y a le mot quitter. You spoke about leaving. Est-ce que si quelqu'un
il est déjà, il a connu le Seigneur, il vit dans les lieux célestes. If someone knew the Lord, au même moment, il est authentiquement chrétien. He's an authentic Christian. Tu es diacre? Non. Non, ancien, non? Tu n'as jamais été consacré à diacre ancien? Non. Ok. Ok. Est-ce que tu vas dans une assemblée? Do you go in an assembly? Ok. Ici à Toronto? Here in Toronto? Ah? À Québec. Ok, Québec. In Québec. Et tu vas tous les dimanches, tout ça? You go every Sunday? J'y allais même, mais je suis revenu de l'Afrique, il n'y a pas longtemps, mais avant, Ok. J'étais pendant plus de 10 ans, 15 ans. D'accord. Proche d'un pasteur, tout ça, là? Ben, j'étais aussi missionnaire aussi. Missionnaire? Tu prêchais? Did you preach? Et, s'il faut quitter, est-ce qu'on ne peut pas laisser livrer ensemble pour ne pas arracher l'autre? Ah, ok. Pourquoi ne pas laisser les deux croître ensemble? Ok. En fait, toi, ton problème, c'est. So your issue is. Jésus a dit il faut laisser le blé et l'ivraie croître ensemble. Mais regarde la parole. Grow together. Cette parole. But read the word. Va au verset 36. Go to verse 36. C'est la tronique, ouais, c'est. Il n'y a pas de souci. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : Expliquez-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Ah, le champ, c'est quoi? The field is. C'est l'église ou le monde? Is the church or the world? The world. Donc, meaning, on ne peut pas arracher l'ivraie du monde. We cannot take the true ones from the world. Parce que l'ivraie, ce sont les faux chrétiens et les gens du monde. Because they are the false Christians and the people of the world. Donc, on ne peut pas les chasser de la terre. So we cannot take them. On est d'accord. Donc, quand il y a l'ivraie, when there is, dans l'assemblée de Dieu, on enlève. When there's wheat in the assembly of God, mais s'il y en a dans l'église, but if there is in the church, then we have to take them out. Donc ici, so here, l'ivraie est plantée dans le monde. The wheat is planted in the world. Comme nous, toi et moi, nous sommes chrétiens, you and I, nous sommes dans le monde. We are in the world. On n'est pas du monde. But we are not of the world. Dans le monde, il y a toutes sortes de choses. And in the world, there's many types of things, pagans, killers. Dieu les enlevera à son retour. God will take them, remove them when he comes back. He'll send angels to throw them in the fire. Mais dans une église, but in a church, s'il y a le péché, if there's sin, s'il y a l'ivraie, if there's wheat, faut s'en séparer. We need to put it aside. Voilà. Paul dit si quelqu'un se défrait, il est impudique, cupide, voleur. If someone is a thief or impudent, put him aside. Do not even greet him. Do not even walk with him. Voilà. D'accord, frère. Que Dieu soit béni. May God be praised. Une question. J'ai oublié le verset parce que souvent vous nous dites que the Bible le jour que le Seigneur va revenir, the day that les the femmes qui sont enceintes vont the rester. Et on ne connaît pas le jour que le Seigneur va revenir. Les femmes qui sont enceintes vont rester. The women who are pregnant will stay. Non, en fait, les femmes enceintes chrétiennes the Christian partiront. Women who are pregnant will be raptured. Les femmes qui vont rester, ça veut dire que c'est les femmes qui ne sont pas mariées. So those who... Ben, si elle comme là, elle est dans le péché, c'est. Là, t'as commis le péché, c'est tué. Eh ben, si tu couches comme ça, là, avec son monsieur, si Jésus Christ revient, tu vas rester. But if Jesus comes, you will stay. Merci. Comme on a fait un programme un peu après. Bah oui, si il revient avant ton mariage, là t'es cuit. If he comes back before your marriage, il faut plus des rapports sexuels. There shouldn't be any intercourse. Jusqu'au mariage. Until the marriage. On est d'accord? Are we in agreement? Et si je voulais dire à propos du renouvellement, quand le frère Joran dit, il prêchait sur le renouvellement. Moi, quand j'ai arrivé là, j'étais fâchée, j'ai dit mais le frère Joran. Et pourtant il prêchait. I would get mad. Moi ça m'énervait. It used to annoy me. He always speaks about it. He always speaks about the rapture. The Lord will come. When I arrived, j'ai dit, OK, demain je vais continuer, je vais encore regarder. When I continued watching, je vais revenir un jour, je dormais.
One day I was sleeping, and the Lord visited me. We were in an avenue, and there were people. Two people went up. I went back down. Alors, les gens qui étaient là à côté de moi, and the people who were next to me, they were saying, why? Et alors, moi, je disais, I said, Shora had said le Seigneur va revenir, that the Lord will come. Moi, j'avais pleuré. And I was afraid. And I said, Lord, I know that I'm doing something that's not normal in the Bible. Vous savez, c'est pas facile pour moi. But you know, it's not easy. Convaincre quelqu'un qui est musulman, trying to convince a Muslim. Il fallait d'abord avant d'engager avec lui, prier le Seigneur. But before you should engage with him, you need to pray. Tu vas dans une église ici, dans une assemblée. Do you go in a church here? Je partais dans une église, mais I used to go to a church. Tu habites à Toronto? Oui, j'habite à Toronto. On va te voir à la fin parce que j'ai besoin d'enseignement. I'll see you after. T'as vu un songe que tu t'es resté lors de l'enseignement? A dream that you stayed during the rapture. Donc, logiquement, tu devais même te sanctifier. Logically, you needed to sanctify yourself. Quand j'ai fait ce rêve là, je pense que j'étais déjà enceinte. I was already pregnant. Tu es enceinte de combien de mois? Là, j'ai 6 mois. Ok. Donc on va se voir à la fin pour parler. Dieu t'aime beaucoup. Je crois qu'il veut te sauver. God loves you and I believe that he wants to save you. Maintenant, tu vas avoir la vie éternelle. You have trust and he will give you eternal life. Wow. Il y a des besoins. Ma sœur, t'as levé la main? Ok. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. J'ai eu une question. I have a question. J'ai une sœur. I have a sister who prays a lot. Mais malgré qu'elle écoute la parole de Dieu. But despite that. Elle écoute la parole de Dieu comme celle que nous écoutons maintenant. Mais qui continue à... qui a ravi le mari d'une personne. Elle est chrétienne, cette femme. She took the husband of someone who was married. Elle a eu cette occasion d'écouter. Elle est pas chrétienne. And she had the occasion to hear the message. Elle a piqué le mari d'autrui. Vraiment, et voilà, est-ce que, comment faut-il faire? What should I do? Parce que nous pleurons beaucoup. Because we cry a lot. Alors, elle n'arrive pas à lâcher. And she's not able to let go. Continue à prier pour elle, simplement. You need to continue to pray for her. D'accord. On va penser à la prière. We'll think about her in prayer, and we will pray for her. Vous habitez à Toronto? Do you live in Toronto? On s'est déjà vu quelque part. Où est-ce que vous disiez? C'est vu où? C'était à Washington. Vous êtes venu de Washington pour le programme? You came from Washington. Wow. Vous êtes arrivé à combien? Vous êtes à combien? How many are you? Wow. D'accord. Vous avez vu cette législature là? À Washington. Wow. Ben, on va se voir à la fin. Que ce soit béni, ça va aller. On va continuer à prier pour cette dame. We will pray for that lady. Vous voyez, le témoignage de la sœur. You see the testimony of the sister. Elle est sincère. Moi, je crois qu'elle est sincère. She's honest and I believe that she's honest. Mais il n'y a pas eu d'enseignement. But there's no teaching. Vous voyez, et des chrétiens comme ça, il y a plein de Christians like that, there are many in assemblies. On va lui dire, ça, donne la dîme, donne la main, elle va donner, elle va donner. Ou elle a eu un songe où elle s'est vue. But yet she had a dream. Rester. She saw herself staying after lors de the rapture. De l'église. During the rapture of the church. Donc, on a vraiment des problèmes. Oui, ma sœur. So we have problems. Ça va? On ne s'est pas vu à Paris déjà, là. À Genève, qu'est-ce que tu es venu faire ici? I'm here with my family to follow the program, and I decided to come. As the sister has said, people in our families or relatives who take husbands of others. Là, elle a pris le mari de quelqu'un qui a même cette femme, elle a un bébé entre les mains, un bébé de 15 mois. A lady took someone else's husband that has the baby. Je lui ai dit, écoute, and I told her, besides of the word of God, ça fait 20 ans que je suis mariée, it's been 20 years that I've been married, and I would not endure seeing another wife taking my husband. Couple, ça fait 15 ans and it's been 15 years that they've been married.
n'avait pas voulu qu'elle rencontre ce monsieur, did not want her to meet that man. Il n'aurait pas fait la cour. Je lui dis, écoute, on est quand même allé. J'ai pris la peine de t'amener à Jésus. I took the time to speak to her, écouter la parole, to give her the word. Tu écoutes tout ce qui se dit là-dedans. Pour moi, c'est un péché énorme. Donc, it is a huge sin what you're doing. And I don't have to let go of that story. And I'm not even able to sleep because we know the truth. And we close our ears. That's bad. You need to simply pray for that lady. That is the world today. C'est pour cela qu'il faut. Vous priez quand vous amenez vos enfants, vos femmes, dans vos assemblées. We have your wives and your children. Faire attention. You need to be careful. Qui veut recevoir le baptême aujourd'hui? Who wants to receive a baptism? Toi, ma sœur, lève-toi. Qui d'autre veut recevoir le baptême? Who else wants to receive baptism today? Qui d'autre? Ah bon? Toi, tu veux recevoir le baptême? Ah, ben dis donc, quel âge as-tu? How old are you? 6 ans. 6 ans, pourquoi tu veux le baptême? 6 years old. Parce que j'ai jamais fait le baptême. Pourquoi? Parce que j'ai trop envie de faire le baptême. D'accord, tu as besoin de faire le baptême, oui, d'accord. Je veux te poser encore une autre question. Comme les I enfants want to ask you a question, qui a question. Posent des questions tout le temps. Question, children who ask Parce questions que tu as envie de faire le baptême, mais pourquoi tu as envie de faire le baptême? Parce que j'ai posé à ma mère. I asked my mother. Parce qu'elle m'a demandé si je voulais faire le baptême. And she asked me if I wanted to get baptized. Donc, c'est un peu maman qui t'a poussé, non? On TV de vie. So my mother asked me. Là, les enfants, ils disent toujours la vérité. Children, they always say the truth. Qui t'a balancé tout le monde? D'accord, bon, on va parler tout à l'heure, il n'y a pas de problème. We'll speak D'accord. later on. Qui d'autre veut le baptême? Who else wants baptism? Ok, viens, ma soeur, merci. My sister, come qui d'autre veut le baptême? Who else wants baptism? Gloire à Dieu. Glory on to God. On l'a déjà vu, non? C'était où déjà? Ici à Toronto, hein? Gloire à Dieu. Et toi, ça va? Viens, va, on prie pour toi. Gloire à Dieu. Oh, Dieu est magnifique. Tu habites Toronto, non? Québec? Ok. Tu es venu avec l'équipe de Québec? D'accord. C'est votre fille? Ok. Ok. Si le Père l'attire. No one can come to Jesus if the Father does not attract him. Et en même temps, la sœur a dit. At the same time, the sister is saying. Que Matthieu 28. That Matthew 28. Matthieu 22, 14. 22:14. Où il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. There are many called, but a little are chosen. Très bonne question. That's a very good question. En fait. Tout le monde est appelé. In fact, everyone is called. Même les païens sont tous Even tout le monde est appelé. Pagans, everyone is Parce que called. Le Seigneur a dit venez. The Lord said come. N'est-ce pas? Venons nous. He said come. Mais les élus, But the chosen, ce sont ceux et celles qui ont accepté are those who have accepted the invitation. N'est-ce pas? Et je vais encore aller plus loin. And I'll go even further. Tous les humains ne sont pas de Dieu. All humans are not of God. Vous avez le blé. You have the wheat. Vous avez l'ivraie. And you have the livré. Bad herbs and the wheat. C'est ça? The yeast and the wheat. Alléluia.
Gloire à Dieu. Ah, elle interprète quand même bien. Hein. Gloire à Dieu. On va t'inviter en France là, pour nous interpréter de temps à autre. Tiens, ben, le 23 décembre, on a une grande veillée à Paris. On vous lance l'invitation. La délégation de Canada, tout ça, à Toronto, vous êtes invités. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'ivraie, qui peut me donner le nom? Who can give me the name d'un homme dans la Bible qui est la première ivraie? Who was the first weed? Caïn. Cain. 1 Jean 3 nous dit quoi? Caïn était du malin. Said that he was wicked. C'est-à-dire, vous avez des hommes comme vous et moi. It was from the wicked. So men who sur are terre, birthed on mais earth, ne sont pas de Dieu. But they are not of God. Ils ne pourront jamais être sauvés. They will never be able to be saved. Ça vous choque? Qui est choqué? Who is shocked? On ne parle pas de ça dans les églises. We do not speak of this in non. The churches. No. Mais on vous parle de quoi? But what are you spoken of? Wow. Vous me direz, frère, prouve-le. You will say, brother, prove it in the Bible. Pierre dit quoi? Il y en a qui sont nés pour être pris. Some are born to be. Ils naissent pour être pris et détruits. To be taken and destroyed. Qui l'a jamais vu? Who has never read écrit. That? It is written. Judas. Judah. Il a côtoyé la vie, n'est-ce pas? Il est avec Jésus. He was with Jesus. Il a fini comment? And how did he end? Il s'est suicidé. He killed himself. D'accord? Oui. Ça veut dire que la doctrine de la prédestination est valable. En fait, la prédestination, ça s'appelle. So the predestination. Dieu God n'a pas prédestiné certaines personnes à l'enfer. Did not predestine some people to go to hell. Et d'autres à la vie. Non. And some to life. No. Tous les descendants d'Adam et Ève. All the descendants of Adam and Eve. Étaient prédestinés à la vie. Were predestined par to Dieu. Life. Mais by God. Il y a des gens qui sont vraiment du mal, vraiment du malin. There are some people who are really of wicked. Et qui viennent comme nous. And they come like us. Ils ne sont pas de Dieu. But they are not of God. Ceux-là, il n'y a rien and à faire. Those, they have nothing. T'as beau prêcher, t'as beau faire ce que tu you veux. Have preached, done all you can. Ils ne pourront pas être sauvés. But they will not be parce qu'ils ne sont pas de ces livrés. On ne change pas livrés. Because they are weak. They cannot be changed. Vous comprenez? Judas a écouté la parole de Judas heard the word. Judas a marché avec Jésus. Judas walked with Jesus. Judas connaissait la Judas vérité. Knew the truth. Il chassait même les démons. He casted out il faisait même des miracles. He did miracles. Mais il est mort suicidé. He died, he killed himself. Caïn. Il priait Dieu. He prayed il offrait des sacrifices. He offered sacrifices. Comme son frère Abel. As his brother Abel. Mais il s'est éloigné. But Dieu. He put himself away. Il est mort. And Dieu. He died without God. Nimrod. Nimrod. Dans la Bible. In the Bible. Il ne voulait pas du Seigneur. He did not want of the Pharaon. Pharaoh. Vous avez des gens comme ça dans les you Écritures. Have people like that in the scriptures. Et vous avez des gens comme ça dans nos églises. And you have people like that in the churches. Qui sont pasteurs. Who are pastors. Qui sont prophètes. Who are prophets. Qui sont évangélistes. Who are evangelists. Vous pouvez leur prêcher la vérité. You can preach them the truth. Ils peuvent même vérifier la Bible ce que vous leur dites. Ils peuvent même dire c'est vrai, c'est écrit. They will say it's true. Mais ils vont refuser. But they will refuse. Et ils vont mourir dans le and péché. They will die in sin. Ils ne sont pas de Dieu. They are not of God. Jésus dit. Jesus n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Isn't it I who chose? Les 12. You the 12. Mais l'un de vous. But one of you. L'un de vous. One of you. Est un is démon. Is a demon. C'est écrit non? It is written. Donc. And so. Les enfants de Dieu. The children of God. Dieu les traîne. God drags them. C'est pour cela même quand ils s'égarent un peu là, and Dieu so les attrape. That's why when they put themselves away, God catches them. Vous avez jamais vu ça? Have you seen that? C'était tel que tu es là, t'as beau faire ce que tu veux là. As you are there, you can do all you want. Le Seigneur dit, mes brebis entendent de ma. The Lord says, my sheep hear my voice. Maintenant, effectivement, tu peux aussi faire le salut si tu veux. You can do what you want. Mais il nous donne tous les moyens pour pouvoir garder le salut. But you need to keep salvation. Les vrais enfants de Dieu. The true children of God. Au fond d'eux. In them. Quand ils font quelque chose de mal, ils le savent. When they do something bad, they vrai ou faux? True or false? Les vrais enfants de Dieu, les pasteurs, children of God, quand ils entendent la vérité, when they hear the truth, ils disent, oh, là j'accepte d'arrêter. They say, now I accept to stop. Vous avez des Judas, you have Judas, vous avez des Caïn, you have Cain, et vous avez des Abel, and you have Abels. Voilà, donc c'est deux camps, le blé et l'ivraie, les boucs et les brebis. So the sheep, et il se trouve que dans nos églises, and they are found in the churches, on a sur 40 chrétiens, par exemple, dans une église, vous avez 30 boucs you have 30 et 10 brebis. And 10 shepherds.
Qui ne le savait pas? Who did not know? Et voilà. C'est comme ça. That is how it is. Donc il y a plus de boucs que de brebis. So there are more of the wicked. Il y en a plein dans les chorales. Shepherds, there are many in the choirs. La parabole de quatre terrains, il y en a un seul qui était fertile. There were one that was fertile. Là, la question que je te pose aujourd'hui. And now that's the question I'm asking you today. Es-tu une brebis ou un bouc? Are you a sheep or are you? C'est toi qui as la réponse. On the other side. Oui, une question. Je voudrais savoir si on peut gagner le salut après l'avoir perdu. Est-ce qu'on peut regagner le salut après l'avoir perdu? Can we gain salvation after losing it? Non. No. Parce que. Because. Hébreux 10 nous dit. Hebrews 10 says. Celui qui pêche volontairement. The one who sins voluntarily. N'est-ce pas? Si quelqu'un pêche volontairement, il y a plus de sacrifice pour lui pour le péché. Voluntarily. Et there's no more sacrifice. À quel moment une personne peut perdre le salut? And at quand? What moment can someone lose salvation? Premièrement, firstly, la personne pêche volontairement. It's lost voluntarily. L'esprit est attristé. The spirit is saddened. Ça c'est la première étape. That is the first step. Ça peut durer 5 ans. It can last 5 years. Dieu seul connaît le temps que ça l'espace. God alone knows the length of time. L'esprit qui est attristé. Between the spirit which is et la deuxième étape qui est l'esprit qui est éteint. And the second step which is the spirit being la Bible dit, shut n'éteignez down. Pas l'esprit. The Bible says do not shut down the spirit. Et si l'esprit est éteint, c'est la mort spirituelle. If the spirit is shut down, it is la personne priait avant. The person was la personne craignait Dieu. Fearing God. La personne était engagée. Was engaged. Elle commence à pécher. And she begins to sin. La deuxième étape c'est l'esprit est éteint. The spirit is shut down. Elle est plus consciente de réalité spirituelle. Conscious of the reality. C'est la mort. It is death. La troisième étape. The third step. L'esprit est ôté. The spirit is taken out. Le Seigneur dit, si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier. If you do not repent, I will take out. Et si l'esprit est ôté, and if the spirit is c'est l'esprit d'égarement qui vient. The spirit of separation comes. Là, il n'y a plus rien à faire. And there's nothing else to do now. C'est pour ça que la plupart des pasteurs, vous and that is why there are many pastors avant, who used to fear God, avant, who sanctified God, la sainteté, who preached la vérité, preach the truth. Et à un moment donné, and at one point, à cause du succès, because of success, ils ont commencé à pécher. They began to sin. L'esprit était attristé. The spirit was saddened. L'esprit était angoissé. The spirit attristé, was sad. Et là, ben, ils ont continué. And they continued. Dieu les a avertis. God warned them. Ils n'ont pas voulu. They did not écouter. Want. L'esprit est éteint. The spirit was shut. Là, l'église est morte. And the church is dead. Le rap rentre dedans. Il y a le rap maintenant. Il y a le rap dans les églises. Il y a le péché, le matériel, l'amour du matériel, le monde. The world in the church. Ça peut être un pasteur, ça peut être n'importe quel chrétien. It can be a pastor, it can be any. Et là, après l'esprit est ôté. After the spirit is taken out. Et là, c'est l'égarement. And now it's the spirit of separation. La personne garde la connaissance de la parole. The person will keep the knowledge. La personne commence manifeste un petit peu d'onction, mais c'est démoniaque. A little bit of anointing, but it's demonic. Et là, il n'y a plus rien à faire. And then there's nothing else to do. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. That is the blasphemy against the Holy Spirit. C'est un péché impardonnable. It is an unforgivable sin. Il n'y a plus de salut. And there's no more salvation. Il faut le vouloir pour atteindre ce niveau-là. Or you need to want it to get to that level. Et il se trouve que beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens ont blasphémé. And many Christians and many pastors are blaspheming. Donc on perd le salut par rapport au blasphème. So we lose salvation when we blaspheme. On attribue l'œuvre de Dieu à Satan. We put the work of God with Satan. Et ensuite, on commence à pécher volontairement. And then we begin to sin voluntarily. L'esprit est attristé. The spirit is saddened. Ensuite, l'esprit est éteint. And then the spirit is shut selon down. 1 Thessaloniciens 5, 19, according to 1 Thessalonians, n'éteignez pas l'esprit. It says, do not shut down the spirit. L'esprit est ôté. The spirit is taken out on the third. C'est pour ça que chacun ici doit veiller. And that's why everyone needs to nous devons travailler tous les jours pour notre salut. We need to work every day for our salvation. Parce que nous attendons le Seigneur pour notre salut. Because we are waiting the Lord for our salvation. Il faut le garder. You need to keep it. Oui, ma sœur. Très bonne question. La miséricorde, où est la miséricorde? Where is the mercy? En fait, in fact, on vous a mal enseigné dans les églises. You were wrongly taught in the churches. On vous a présenté un Dieu tellement miséricordieux. We presented you a God so merciful que nos églises sont devenues malades. That our churches became sick. Comment? C'est écrit, bien sûr. It is written. Mais le problème, ma sœur, c'est quoi? But the problem is, c'est qu'on vous a tellement prêché le côté miséricorde. You were taught so much on the le côté amour. The love. Qu'on a oublié le côté justice. Now they forgot the righteousness. Dieu est à la fois agneau et God lion. Is a lamb and the lion. Tu vois ce que je veux dire? You la miséricorde de Dieu the mercy of God n'annule en aucun cas sa justice. Does not cancel out his justice. Pas du tout. No,
Dieu est l'être le plus équilibré. Is the being the most balanced. Judas. Tu es d'accord avec moi qu'il était apôtre? He was an apostle. Tu es d'accord avec moi qu'il chassait les démons? You agree that he was casting out demons. Il purifiait les lépreux. He would heal the lepers. Tu es d'accord avec moi? You are agreeing. Et Dieu aussi est d'accord avec moi qu'il n'est pas au ciel? You agree with me that he's not in heaven. Il n'a pas demandé pardon. He did not ask for forgiveness. No. Comment? Oui. If he had asked for forgiveness, he would be in heaven. Mais le problème est que lui ne le pouvait pas parce qu'il n'était pas de Dieu. But the problem was that he could not because he was not of God. Non. No. Parce qu'il n'était pas de Dieu. He was not of God. Le Seigneur dit l'un de vous est un démon. So Lord said, one of you has the spirit of demon. C'est pas Dieu. L'univers. Très bonne question. Les démons sont devenus démons par eux-mêmes à cause de l'orgueil. Demons because of themselves, because of pride. Est-ce que c'est Dieu qui a créé le racisme? Did God create racism? Tu es d'accord que c'est non? You agree that no. Mais ça vient d'où? Where does it come from? De la personne. Des hommes. Men. Voilà. There you donc go. Les démons sont devenus démons par eux-mêmes. So demons became demons by themselves. C'est pour ça. Ouais. Si par exemple, disons moi je suis démon. If I'm a demon, de ne plus être démon. And I decide no longer to be a demon. Les démons ne peuvent jamais changer de nature. Demons can never change nature. Le mal et le bien. Donc je décide maintenant, je vais juste prendre le bien. If I decide to take the good. Les démons ne peuvent jamais devenir bon. Demons can never become good. Non, c'est écrit nulle part. It is written nowhere. Ce sont des êtres humains qui deviennent démons. Non. Des bonnes choses et je décide maintenant de faire juste comme ma soeur. Non, mais là tu n'es pas démon. Là tu es simplement un pécheur. You're a sinner. Démon c'est autre chose. Encore. Demon is something alors, else. Quoi? Ah. Démon c'est quoi? C'est quoi? C'est le diable, c'est demon les anges déchus. C'est des êtres maléfiques. Are beings, wicked beings. Ça je ne crois pas. Mais c'est ce que la Bible dit. You know what the Bible says. Je vais dans réfléchir, moi je pense que c'est comme ça. Non, toi tu sais, c'est ça le problème. Toi tu penses que c'est comme ça, mais la Bible pense le contraire. The Bible thinks otherwise. Toute personne qui croit en lui, God et qui veut vraiment changer son être, truly il est capable. Et puis Dieu va lui donner la. Là tu parles des hommes. You are speaking of qui veulent changer. Who want moi je te parle des démons. But I'm speaking to you of demons. Mais le démon c'est qui? C'est un être humain qui but devient a demon. Démon. C'est ce que vous avez dit. Les démons sont des anges déchus. Demons are angels which non, were thrown out, casted out. Non. Fallen angels. Parmi les êtres humains, among il y a des gens beings, qui sont les enfants des démons. There are those who are children of demons. Comment c'est possible? Très bonne question. Mais parce que, very good question. Est-ce que tu es baptisé déjà? Are you baptized? Par immersion ou catholique? By immersion? Catholique. Or Catholic. Catholic. Voilà. Donc tu as besoin d'enseignement. You need teaching. Mais je vais dans les églises au réveil. Voici aujourd'hui. C'est bien, justement, c'est pour cela que le problème, ma soeur, c'est quoi? The problem dans les églises dites de réveil, in churches of revival, au lieu d'enseigner les gens, instead of teaching people, on les excite. We excite them. Donnez l'argent, vous serez give bénis. Money, you will be blessed. Donnez, vous serez le mariage. Give, you will get married. Donnez, vous allez faire des affaires. Give, you will have businesses. Il n'y a pas d'enseignement. There's no teaching. S'il y avait l'enseignement, if there was teaching, on t'aurait déjà dit que le baptême catholique n'est pas biblique. You would have been told that Catholic baptism is ah? Not biblical. Ah, bon. Tu ne savais pas? Je ne savais pas. Tu vois? La même parole quand. Ben oui. C'est mes enfants. C'est la même parole qu'on dit quand on fait de l'immersion. Regarde, prends la Bible. Take the Bible. Ah, ça c'est bien, ça j'aime ça. Très bien, très intéressant aujourd'hui. Je crois que je suis venu à Toronto. I believe toi. That I came to Toronto for you. Alléluia. Alors, on va prendre Marc 16. Chapter 60. Marc, ça passe. Est-ce que tu peux nous lire chapitre 16? Can you read chapter 16? Verse 15. Est-ce que tu peux nous lire s'il te plaît, ma sœur? Oui, il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok. Jésus dit que celui qui croira. Jesus says that the one who believes.
et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, avant d'être baptisé, so qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelque chose qui vient avant. Something is before. Ah, très bien. Il faut croire. You need to believe. Est-ce que les deux croient? Does the enemy believe? On les baptise alors parce qu'ils ne croient pas. Les parents sont... On n'a pas dit si les parents croient, mais les parents believe that the baby is believing that. Dieu, pour les enfants, c'est le même tout le monde. Non, non. Restons sur la Bible. Let's see in the Bible. Celui qui croira. The one who shall believe. Et qui sera baptisé. And who will be baptized. On n'a pas dit si les parents croient pour l'enfant. We didn't say if the parents believe. Les parents montrent le chemin aux enfants. Non. Oui, mais pas par rapport au baptême, parce que le baptême est un engagement personnel. Baptism is a personal engagement. Restons sur ce qui est écrit. Let's see what's written. Moi, je pense que les parents sont se mettent. I believe that the parents. Moi, je pense. Mais je pense que Dieu ne tient pas compte de dépenser. Dieu regarde sa parole. God looks at his word. Il dit, moi, j'étais bébé, mes parents ont, mais cette parole. Pour eux, oui, mais pas pour toi, parce que toi, tu es un Dieu. Je sais qui est Dieu. Non, le problème, je te pose une autre question. Let me ask you another question. Tu es catholique. You are Catholic. Ok. Bon. Et dis-moi, ma soeur. Tell me, my sister. Tu peux me donner le nom? Can you give me the name? Trois noms des saints africains que tu connais. Three African saints that you know. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres saints, je n'ai pas connu. There are many things in Catholic. I don't know if that exists. Why? Because God is only for Europeans, not Africans. Oh, thank you. Thank you. Dis-moi, je crois qu'on va vraiment bien parler tous les deux. I believe that we will speak very well. Sois la bienvenue déjà ici. Be welcome here. Une autre question. I have one more question. Je vois que tu es une femme de caractère. I see that you are a woman of character. Ah, mais un bon caractère, je veux dire, tu sais ce que tu veux. Good character, you know what you want. C'est la première fois que je viens ici. This is the first time that I come here. Depuis combien de temps? Ah, le nom de ce ministère. Est-ce que vous êtes magicien? Est-ce que vous êtes prêtre? Est-ce que vous êtes... I came to see whether you are magician or priest. Très bien, très bien, très bien, très bien. Tu connais les Bamileke un peu? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu veux te magicien? Non, je veux te recevoir après on va parler. En fait, je sais pourquoi tu veux savoir si je suis un magicien? Why do you want to know if I am a magician? Parce que je n'ai jamais entendu parler de vous, c'est ma première fois. Because I've never heard of you, it's my first time. Je connais même pas le nom du ministre. I don't even know the name of the ministry. Nous sommes tous des chrétiens. We are just Christians. On se retrouve comme ça et puis on partage et des échanges. We come together and we share. Voilà. Et on est beaucoup basé sur la Bible, plutôt que sur les traditions d'hommes. Tu vois les enfants dans la Bible. You see the children in the Bible. À l'époque de Jésus-Christ, les bébés n'étaient pas baptisés. During the time of Jesus Christ, babies were not baptized. Ce sont les hommes qui ont mis ça en place. Men have put that in place. Tu vois, non? Jésus n'était pas africain. Jesus was not African. Il n'était pas noir. Jesus was not black. Jésus Christ, homme, était juif. Jesus Christ, man, was Jewish. Il est né en Israël. He was born in Israel. Tu vois, non? Et tu as besoin, and you need, vraiment, je vois que tu cherches le Seigneur. I see that you are seeking the Lord, but you need teaching. Le baptême, baptism, on ne peut pas l'administrer à quelqu'un cannot be administered si la personne n'a pas la foi. If the person does not have faith. Il faut que la personne ait foi en Dieu. You need faith in God. Parce que le baptême, because baptism, c'est l'image de la mort et de la résurrection you de Jésus. Go from death to the resurrection in Christ. Tu ne peux pas avoir le baptême dans ton cœur? Non, le baptême, il y a le baptême d'eau. There's the baptism of the water. Ça, il faut de l'eau. You il faut need water. Immerger. You need to be immersed c'est obligé, c'est ce que tu écris. It's le baptême du cœur. Dans le cœur, c'est le baptême de l'esprit. The heart is the baptism of the spirit. La foi. Tu as la foi. En fait, quand on a foi, on obéit à la parole de Dieu. When we speak, we obey to the word of God. Et la parole de Dieu nous dit, il faut mettre par says, immersion. You need water, baptism in water. Tu comprends? Voilà. Je ne veux pas te rebaptiser pour la deuxième fois. Non, mais en fait, le baptême catholique n'est pas un baptême, c'est juste... The baptism of Catholics is not a baptism. Those are just drops of water on the head. Comme ça, la mamie dans l'eau. Dans l'eau?
Ok, on t'a mis dans l'eau, ben c'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenant, pourquoi tu es venu ici? Why did you come here? Ah, mais gloire à Dieu. Ah, ben, c'est bien, tu as bien fait de suivre ta fille. And you have done well. Maintenant, tu sais que le Seigneur t'aime. You know that the Lord loves you. Et tu sais que si on aime le Seigneur, and tu aimes le Seigneur. If you love the Lord, cela je sais. Gloire à Dieu. Alors le Seigneur dit, celui qui m'aime doit garder mes commandements. The Lord says, if you love me, keep my commandments. Et dans sa parole, and in his word, Jésus dit, Jesus says, il ne faut pas adorer les hommes. You should not worship men. Il ne faut même pas adorer Marie. Do not worship them. Ou parler à Marie. Or speak. Parce que Marie est morte. To Mary, because Mary died. Il est ressuscité. Elle n'a pas ressuscité. Non. She could not resurrect. Vous ne savez pas? Non. Tu le sais. Bienvenue. Gloire à Dieu. Ça c'est bon parce que il faut beaucoup de patience. Il faut les gens ont des questions, ont des questions à poser. Questions to ask. Seul Jésus est mort. Only Jesus died and rose. Non. I thought that his mother had followed him. According to the Catholics. Assomption, ça c'était inventé par le pape XII. C'est lui qui a inventé ça. Assomption. Réveillé, il dit, oh ben tiens, Marie est au ciel. Ah ben non, là, là. C'est la gloire de Dieu aussi. C'est faux. That is faith. Jésus Christ seul qui a ça. Jesus Christ alone is he that the rain of time. Est-ce que t'as fait au ciel pour Jésus là-bas? Moi, je suis allé au ciel. I've been to heaven. Je peux savoir votre nom? Très bonne question. Alors, là, c'est bien le pasteur. Je travaille. God is our Seigneur. Je suis allé au ciel 7 fois. Oui? I went to heaven 7 times. J'ai parlé avec l'ange Gabriel. I spoke with the angel Gabriel. Et il vous a baptisé. He gave you water to drink. Mais comme Paul était ravi, comme Paul était ravi, la poussière. Ouais. Tu savais pas, mais voilà, ça existe. It exists. Paul est parti au ciel et revenu. Paul went to heaven and came back. 2 Corinthiens 12. In 2 Corinthiens 12. C'est cool. Maman va prêcher la parole après la parole. Voilà. Amen. Ok.